Je suis donc ingénieur technico-commercial au sein d'une multinationale suisse qui vend des matières premières chimiques pour différents marchés, principalement les marchés pharmaceutiques, le marché de l'hygiène, de la désinfection et le marché cosmétique. Donc ingénieur technico-commercial, comme ça le dit très bien, c'est un métier à double casquette. Donc un métier d'abord une casquette technique, le côté ingénieur. On est donc considéré comme l'expert technique sur la gamme de produits que nous représentons. Nous conseillons donc aux clients comment les utiliser. Nous essayons de leur apporter un support dans le développement de leurs produits. Et puis le côté commercial, qui est, je dirais, le côté le plus important, dans la mesure où la finalité, c'est quand même de vendre du produit. J'ai fait une école d'ingénieur chimiste qui se trouve à Cergy-Pontoise, qui s'appelle ESCOM, à la suite de laquelle j'ai complété une année, on va dire, de stage à l'étranger pendant une année. À la suite de mon service militaire, donc j'ai postulé de manière classique sur différents types de travail et j'ai intégré donc l'ONSA directement en tant qu'ingénieur technico-commercial. Alors ce qui me plaît principalement, moi, c'est la diversité, c'est le fait de pouvoir avoir ces contacts avec, à la fois en interne, avec des gens qui font de la production, qui font de la recherche, qui font de la stratégie, et puis tous les clients qui sont là dans des différents marchés très très différents, que ce soit des cosmétiques, des peintures. L'autre aspect qui me plaît beaucoup dans ce métier, c'est le résultat, dans la mesure où on a un résultat direct de notre action. Quand on s'investit beaucoup dans un projet client et que le projet aboutit, c'est vrai qu'on est content de voir qu'on a des résultats directs qui se traduisent en termes de vente. Libérateur d'iode, qui est surtout fongicide. Les inconvénients, le plus gros, c'est que vous êtes régulièrement amené à être en déplacement et que pour des gens, il y a des gens qui aiment beaucoup se déplacer. Et si vous recherchez un métier où vous voulez être chez vous le soir, tous les soirs à 5 heures, c'est pas le bon type de métier. Parce que là, on est amené à être, à découcher une fois de temps en temps. Il faut avoir des horaires flexibles. On a un train à 7 heures le matin, un avion qui rentre à 11 heures du soir. Ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement, quoi. Aujourd'hui, moi, je m'occupe de la France, mais on peut imaginer que demain, je m'occuperai d'une zone géographique plus large. Ça peut être l'Europe, ça peut être une responsabilité mondiale. Autre type d'évolution, c'est des évolutions vers des postes type marketing, où on rentre plus là sur la stratégie du produit en amont.